Nous sommes donc le canard belge et bravir. Salut. Enfin, le bravir et le canard belge, on suit la politesse des gens, hein, tout simplement. Lui là, lui ça. Et nous vous souhaitons donc la bienvenue. Et bienvenue à l'Untag numéro 7. Numéro 7, enfin. Déjà, ça passe vite le temps, hein, quand même. Ouais, mais ça faisait longtemps quand même. C'est vrai que ça nous a manqué. Après le 6. Et donc, pas n'importe quelle édition, parce que l'édition 7, donc l'avant-dernière édition avant la fin, et donc le grand tournoi final des gagnants. Ouais, avant la saison 2. Mais surtout, un des tournois les plus stacks depuis le début, parce qu'il y a beaucoup de noms qui viennent. Il y a notamment donc Léon, Auger, Wari. Wari, Omika qui revient, Ibe, Ryokai, Motai, beaucoup de gens qu'on a déjà vu ou pas, et qui viennent pour nous donner du plaisir, spectacle directement de Paris, majoritairement de Paris, et des joueurs forcément qu'on connaît bien, hein, d'Orléans. Donc, malheureusement, celui qu'on attendait tous n'est pas là, hein, Donut, si tu nous regardes, eh bien, nous te souhaitons un bonne fin de week-end, et en espérant que tu nous regardes, ça et va. Que tu vas passer un bon moment. C'est vrai, mais c'est pas grave, on a quand même la crème. On a quand même la. Bravière dit fuck Koons, fuck pas Luténia. Voilà, donc monsieur qui a que ça à foutre, hein, de regarder le stream depuis la salle. Il est où là encore? Que ça, c'est bien vu ça. Ouais. Sinon, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je veux dire, oui, avant, c'est que certes, on n'a pas de notes, mais on a Mosaï qui est quand même la petite crème de. Voilà, le petit protégé de Léon. C'est ça. Mais qui, quand même, on le voit souvent en vrai. Hein, on le voit souvent. Ça fait au moins 2-3 fois qu'on le voit d'affilée. Ça fait 2. Ah, allez, va faire ça au discours. Je vais vous quitter 2 minutes. Bonjour. Yo. Alors, merci à tous. Voilà, super. Je fais le traducteur. Première annonce. Ah oui, c'est le clash des titans. On va vous en parler après. Non, mais c'est 5 balles, les gars! Il y a plusieurs fois à cette émission. 5. 5. 500! 5000! Je peux venir ou pas? Je peux venir le dire ou pas? Vas-y, avalez! T'as bien caché sa tête. Alors du coup, notre cher LCB est en train d'expliquer ce qu'il a décidé de faire. En gros, donc en fait le truc c'est que celui qui arrive à sortir un des trois champions, donc à savoir Auger, Léon et Ryukai, celui qui l'envoie en loser, ou qui le, non, celui qui le sort tout court, il gagne, le premier gagne 5 balles en gros. Donc par exemple imaginons Auger perd en son premier match, bah il n'y a rien.
Et du coup, s'il perd en loser, du coup, bah, il lui filera 5 euros. Voilà, c'est tout. Applaudis, mon ego est gonflé. Ouais. Bizarrement, quand tu donnes de l'argent, les gens t'aiment bien. Ouais, pour vous expliquer. J'ai expliqué, c'est bon, t'inquiète. Il a expliqué. Ouais. Pour expliquer. Il a expliqué. Voilà, mais ouais, mais c'est ce genre de petite mimique. Voilà, c'est ça qui nous rend bon. Pas du tout de. Ouais, yes. On n'a pas écouté. C'est pas du tout de. C'est pas du tout des chevilles gonflées. Hein. Je me la pète, pas du tout. Pas du tout. Je suis content d'être là, les gars. Je suis content d'être là, putain. Ouais, mais tu vas perdre 5 balles. Non, c'est pas perdu. C'est du carburant pour la compétition et le beau jeu. Un investissement personnel de ma thune. de mon porte-monnaie. Voilà. Il n'y a pas Amine aujourd'hui. Alors que Amine, il vient souvent. Non, il est venu qu'à celui-là gagner, en fait. Sérieux? Non, ah non, il est venu à celui d'après. Oui, il est venu deux mais fois. Il vient, en fait, je vous explique, il vient pas par rapport au rule set concernant les mi. Les mi, en fait, ben, ils sont tournament clock. Ouais. Et Amine, il n'est pas d'accord. Et du coup, c'est compliqué. Évidemment, on l'aime bien. Hein. C'est un copain. On lui souhaite toute sa réussite. On voit qu'il fait plein de trucs. Il est très actif. Donc forcément, Amine, si tu nous regardes bien, félicitations. On continue comme ça. T'es un champion. Yes. On espérera quand même te voir au tournoi final. Au tournoi final, à ouais, voir, du coup, qui a été annoncé. En fonction de voir comment on va gérer ça, nous. Ouais. De toute façon, vous serez au courant, vous. T'as vu, t'es beau. Ouais, je sais. Et... on me le dit souvent, mais pas aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il vient plus en fait. Ouais, bah à cause d'Emi, ouais, c'est ça. C'est ça. Il est quand même venu la première fois. Ouais. Alors que l'Emi c'était en 1-1-1-1. Ouais. Donc, mais il est venu comme ça. Ça l'a pas plu, je crois. Il a gagné comme ça. Ouais, non, il avait joué Game & Watch à un moment. Ouais, il a gagné avec Game & Watch. Ouais, ah oui. Donc. Mais oui, du coup, il aime pas comment les Emi sont faits pour lui. Donc, du coup. Ah, je sais. On me le dit souvent. En même temps, ils ont raison, genre. Que t'es beau? Ouais. Évidemment que tu es magnifique. Regardez-le. J'ai la crinière de feu. Vas-y, montre-moi ton beau profil. Regardez ça. Ton beau profil, j'ai dit. Oui, mais attends, regardez. Ouais, il est beau, mais il est con, par contre. Hein. Ouais, y'a pas un je montre pas. Ça, je vais faire une autre chose. Voilà. Ton vrai profil, par contre. C'est comme d'habitude. Bon, un profil. Est-ce que c'est un profil? Oui, c'est de côté, c'est comme ça. C'est comme ça, un profil, tu vois, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Ouais, il est beau. Par contre, dans l'autre sens, la tête, parce que sinon, on voit pas. Alors, regarde-moi, c'est ça, voilà. Je regarde. Regardez-moi cette courbe beauté. Effilée et cette magnifique tête. Attends, regardez cette. Regardez-le. Regardez comme il est beau. Ouais. Il y a du bruit ici, il y a du bruit. Ah, faut que je refasse ma coupe pour être encore plus beau. Et donc, toi, par contre, t'es pas très en forme. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, disons que je sors de la maladie. Ah. Donc, 42 fièvres, ça pique. Ah, ça gueule sur le map 7. Ça gueule sur les Yoshi. Hein. En même temps, vous avez Caliban, arrêtez de casser les couilles. Des bannes quoi? Liés, je pense en fait, dès que t'as deux maps qui se ressemblent beaucoup, les virer d'un coup. Mais c'est débile. Mais en fait, il y a 9 maps, c'est pour 9 maps quoi. Ouais, mais ce truc c'est que toutes les maps se ressemblent à peu près donc. C'est pour ça qu'elles sont compétitives. Ouais. Voilà. Sauf Aylat. Sauf Aylat. Ah, bon gars. Sauf Aylat. Pardon, madame. Pour pas faire chier Queen Arale. Ah, n'est-ce pas, Lord LCB? Ah oui, Lord LCB. Bien sûr. C'est moi, le duc, bravi. Je suis fou. Là, elle explique le rule set. Hein. Comme d'habitude, il n'y a pas de changement. Tout va bien. Vous le connaissez, vous. Vous le connaissez. Attendez. Regardez-moi comme c'est beau. Regardez, là ici on a les maps. On a Final Destination, Battlefield, Pokémon Stadium 2, Smashville, Kalos, Lylat, Tandem City et les deux mal-aimés. Et du coup. Tu veux parler de Lylat? Hein? Non, les deux Yoshi. Ah oui. Non, sinon Lylat, oui, elle est mal-aimée. Tout le monde lui chie dessus alors qu'elle est bien. Non. Si, du coup, voilà, il disait le Shifumi, blablabla, celui qui gagne, il en banne 3. Ça, vous n'aurez pas le voir, vous le verrez pas en stream. Ensuite, le deuxième, il en banne 4 et du coup, il restera 2 maps. Voilà. Et puis, bon, après, c'est des règles classiques sur, sur les règles rule set de in-game. Effectivement. Le vie, tout ça, c'est du classique. Hein, Je peux se défoncer. Ça va aller, bois de l'eau. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Respire. Arale.
Bois de l'eau ou du Red Bull, c'est bien aussi. Bois du Monster. Hydratez-vous chez vous, c'est très important. Attends, on a cité des marques, merde. On va. Monster. Ouais, c'est toi le French Monster en fait. Non, mais faut citer les marques concurrentes pour les marques concurrentes pour éviter que ce soit du. Ah oui, d'accord. Donc, Red Bull, on l'a dit. Monster, Kong Strong. Coupé. Non, mais c'est pour équilibrer, oui, c'est important. Oui, mais non. On va devoir encore rééquilibrer. Mais non, vu que c'est les marques concurrentes, c'est pour montrer qu'on est legit. Donc. Monster, Kong Strong, et c'est la troisième, tu connais quoi? Burn, voilà. Ouais. Ça, on est sponsorisé par aucune marque. Et il n'y a aucune publicité cachée derrière. Voilà. Nous sommes dans la légalité, messieurs. Alors, Régis, il nous faudra le bracket. Non, on l'a pas. En fait, il y a quelqu'un qui a marqué bracket, sauf qu'il faudrait qu'on lui mette. Alors, normalement, tu peux changer de scène pour avoir le bracket. Les joueurs qui sont en train de. Les joueurs qui découvrent le ruleset sont en mode. Mais c'est quoi ces maps? Y a pas de ban lié, mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la merde en fait. Nul ce jeu. Mais Untag en fait, ils sont pas ouf. Bah ça, c'est bien nouveau. Pourquoi? Regardez, 3 étoiles. 3 étoiles ici dans le chat. Incroyable. Tandis que notre registre envoie le bracket dans le chat. Il y aura Osmax qui. Osmax Tarekin. Tarekin, c'est genre le mec dans Star Wars, ça. Alors. Tu sais qui va te tarekiner la gueule là? Non, c'est violent. Je vais te goumer en fait. Je vais te goumer. Déjà. Fuck Kunz. Non. C'est gratuit. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai dit, donc ça compte pas. Bah écoutez le monsieur. Écoutez, ce shit. Oui, bah pour le coup, oui, mais. Ah, il m'a niqué. Non, faut que je prenne mon carnet. Ah! Et je vais te claquer au sol. C'est pas vrai, t'as pas le droit. Mais non, pas Fuxisco, il faut qu'il perf aujourd'hui, oh. Bah évidemment, non mais oh. Vous croyez quoi, vous? Bon, pour vous qui? Croyez où? Fuck Adrian, il est pas là. Ouais, fuck Adrian. Voilà. Est-ce que j'ai marqué quelque chose sur Tarek? Bah, après, il travaille, Adrian, tu vois, donc en même temps. Oh, mais c'est gens qui travaillent le dimanche. Ah oui, c'est vrai, bah du coup, faut préciser, on est en retard. Non, tu crois? Non. Non mais le problème c'est que... Non, j'espère juste qu'on finira pas trop tard non plus parce que bah, moi j'ai un bus en fait, le dimanche c'est chiant. Vous le savez, c'est partout pareil, même à Paris. Hein. Moi j'ai pas de bus mais finir tard c'est chiant quand même, sachant que j'étais là à 8h. J'étais tout seul pour installer. Ah non, c'est toutes les tables, franchement cet homme. Non mais vous l'avez déjà vu, il est beau, il est un peu con mais c'est un dieu finalement. Un dieu con mais un dieu. Ouais. Je suis le dieu con. Qui c'est qui est un dieu con en vrai? Le dieu con, il y a toi. Il y a moi, oui. Toi. Il y a toi aussi, je crois. Ouais. Et je crois qu'il y a moi aussi. Ouais, c'est ça, il y a toi. Ouais. Et Je me sens un peu persécuté. Je sais pas comment il s'appelle, Bravir. Ouais, peut-être aussi. Ouais, je crois. Qui ça? Le dieu con. Est-ce qu'on m'entend bien? Eh hey, Hugo, je t'emmerde. Hey, tu veux quoi? Je sais qui c'est, j'ai le droit de lui dire. Sinon, j'espère que tu vas apprécier le stream, même si je sais que toi aussi t'es malade. Ouais, c'est la. Justement, grâce à nous, il pourra regarder le tournoi tout en étant au chaud sous sa couette. D'ailleurs, avec ton petit verre d'eau, sa tisane. Sache qu'il ne joue jamais à Smash, il a dit il a envie de venir à un tournoi et jouer. Bah, ça, c'est le genre de gens qu'on aime voir, parce que c'est les gens qui viennent juste pour s'enjailler, pour passer un bon moment. C'est ça. Au prochain, on t'attend. Hugo, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hugo, 4, 5, 6, 500. Mais en soi, il faut l'appeler The Mysterio 45. Tarekin. Tarekin contre Osmax, du coup. Osmax, on connaît bien, qui joue Banjo et Kazooie. Oui. Et donc Tarekin qui joue visiblement Zelda. Oh, encore une. Ça va. C'est vrai qu'on en voit beaucoup sur la région. Tu sais, ouais, on a Burner, on a notre Nino national. Ah oui, bien on sûr. A. Dommage qu'on commence directement, il n'y a pas le Kino, etc. Et là, du coup, nous avons notre Osmax contre. Dommage qu'on commence directement. Donc, directement, le petit Arras hein, qui fait plaisir, hein, les œufs. De Pâques, tout simplement. Les œufs pour bien mettre la pression, ainsi que la grenade. Et ça va chercher directement ça le grab. Chercher, hein, grâce à la pression hein, des bombes. C'est bien grab. Mais là, attention quand même. Quand même une bonne gestion hein, des projectiles de Zelda hein, de la part d'Osmax qui joue bien autour et qui les évite. Je dis ça et il se prend un vieil IP dans le cul. Le truc, c'est que la Zelda, elle a pas eu vraiment le temps de faire quelque chose. Parce que Osmax arrive à bien la. Bien la gérer. La situation de Zelda qui a été complètement abandonnée de la part de la Zelda, je pense qu'elle n'avait pas, donc Tarkin qui n'avait pas vraiment le timing, je pense, tout simplement pour choper.
Donc là, bon, attention quand même, Tarkin qui est au bord du stage peut-être. Osmax qui va essayer de la gérer, la laisser en fait dans le coin et de la pressuriser sur le fond en fait pour peut-être finir par la terminer, sachant que là elle est à kill pourcentage très bientôt. Incroyable, là, ça, c'est... garder une neutralité pour un up tilt, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Du coup, ça, c'est, j'imagine que c'est nouveau pour Osmax parce que je l'ai jamais vu faire ça. Et bah, il progresse. Ça veut dire qu'il a bien vu le fait que la Zelda fasse son neutral B et il sait qu'elle a beaucoup de lag, donc du coup, il s'est dit. Et il a pu passer à travers sa propre grenade parce qu'il était invincible. Et là, c'était un très très bon usage du side B. Du Wonder Wing, exactement. Excellent. On voit vraiment Osmax qui taffe son perso, hein, qui taffe le banjo qu'on voit pas très souvent. Non. Attention quand même à pas se faire punir là sur la recovery. Là, on peut voir que Tarkin a réussi à le choper sur le jump. Ouais. Là, ça utilise bien les grenades, hein. Ça vient pour pressuriser, ça vient un peu comme une banane de Diddy Kong finalement. Hein. En soi, oui, mais la banane est quand même sacrément supérieure. Bah, elle peut rester en fait, tout simplement. Et surtout, c'est un kill confirme la banane. Hein. Oui. Comparé à la grenade, puni ça. L'échec n'a pas du tout été puni, c'est dommage. Mais ça aurait pu tuer hein, de la part de Tarkin s'il avait réussi à le passer. Et là, donc le neutral air qui ne passe pas. C'est un trailer suite au. Ah, dommage. Suite au bury du Dantro, je crois. Du Dantro, c'est ça. Ah, ça va, tu connais. Banjo, c'est un personnage de DLC, donc forcément, je l'ai vu moins souvent. Ouais. Mais ça va quand même, au bout d'un moment, il y a une logique. Hein. Tu vois le mec qui l'envoie vers le bas, c'est que c'est un Dantro quand même. Oui, quand même. Tout simplement. Ah, dommage, là, ça a essayé de read la descente de la plateforme. Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'a pas tech et du coup, il est resté bloqué sur la plateforme. C'est dommage, mais en attendant, quand même, il a un sacré avantage. Hein, déjà 100% de la part du côté de Tarkin. Ouais. Et Osmax qui a 0% et qui a tout le loisir de venir garder le truc. Et là, la grenade qui est juste mal timée, qui est dommage, n'arrive pas à punir et peut-être sûrement aurait pu tuer Tarkin qui commence peut-être à venir le pressuriser vers le fond. Qui est venu aller chercher, mais du coup, le sweet spot de. Oh là, Osmax qui bourre un petit peu. Qui ne lésine pas hein, sur les Wonder Wing. Ouais. En soi, il devrait peut-être en garder parce qu'il a pas beaucoup de pourcents. Là, il en reste une ou deux, il me semble. Et le truc, c'est que une Wonder Wing, ça peut prendre une stock très facilement. Et surtout à 139% quand même. Et là, attention quand même à pas se faire. Et il s'est fait chase hein, par la boule du side B. Ouais. Peut-être tenter un Wonder Wing pour essayer de revenir. Et du coup, Zelda Tarkin qui prend l'avantage sur cette game, hein, tout simplement. C'est assez rapide. Et là, il vient choper ça tue sur la fin. À 140% et quelques, ça a tué. Ouais. Même si c'était le sort spot de l'attaque. Et ça a failli ne pas tuer d'ailleurs, c'était vraiment limite. C'était vraiment la fin, effectivement. Donc là, on voit vraiment une égalité au niveau des pourcentages. Donc là, c'est vraiment la dernière chance de pouvoir prendre cette première game. Hein. Bonne DI de Osmax sur le Dantro de Zelda. Comme ça, il peut ne pas se faire toucher par son fer. Effectivement. Ouais. Et là, on a remarqué Tarkin qui a totalement annulé les projectiles de Banjo. Voilà, on peut voir quand même Osmax qui est dans une phase assez compliquée pour lui. Ouais. Il s'est fait rire plusieurs fois ses projectiles et il s'est repris plein de fois dans la tronche. Ouais. Et c'est très compliqué parce que là, il a pris une bonne soixantaine de pourcents gratuitement, tout simplement, sans pouvoir répliquer. Et Tarkin donc avait mis une très très bonne phase, hein, simplement une bonne phase. Et pour cette dernière game, le Beat of Shield. Le Beat of Shield, forcément, qui tue. Et Osmax qui n'a pas d'IA. Et au mec, il n'a pas de DI, mais je pense qu'il s'attendait. Il savait pas vraiment par où DI, je pense. Ouais. Hein? Déjà? Déjà, effectivement. Donc tu vas devoir me déjà quitter. Bah, c'est cool parce que t'as fait le premier match, était prévu, tout simplement. Okay. Donc, bon, bah, du coup, faut que j'aille. Je te souhaite bonne chance avec ton roi. Ah non, c'est Roy, merde. Tu peux mettre le R en majuscule, STP, parce que tu me perturbes. Le R en majuscule. Non, de round. Et t'es pas obligé d'écrire winner en fait. Tu peux écrire juste round 1 et tu précises que quand c'est du loser. Tu vois? Tu peux le recadrer du coup. Pas de soucis, t'es un pro. Et donc la game 2 qui va commencer tout simplement. Directement, pas le temps de patienter tout simplement. Les mêmes pics, hein, ça récupère la même chose. Pourquoi j'en ai toujours la même map en PS2? Je pense qu'ils se sont mis d'accord pour prendre cette map. A voir comment les deux joueurs vont s'en sortir. Donc forcément Banjo qui commence par essayer de prendre l'avantage. Peut-être prendre la bombe mais qui se fait grab. Compliqué là, il faut venir. Là il a tenté le suicide, hein, tout simplement le double hit avec la grenade. Là il tente un petit arras quand même, hein, coup par coup ça vient, ça récupère, ça gratte un peu des pourcentages. Hein, et on débute game, c'est bien pour un petit peu prendre l'avantage sans trop prendre de risques. À voir comment ça va se goupiller pour les deux joueurs. Donc là un peu de coup dans le vide hein, qui ne résume à rien, attention quand même.
pour Tarkin hein, qui arrive quand même à prendre l'avantage du stage. C'est compliqué là, faut que Osmax puisse revenir sans trop de problèmes. Il arrive quand même à passer à travers du chevalier, donc ça c'est bien vu ça. Attention, la pression sur la plateforme. On peut peut-être voir Tarkin qui essaye de venir de gratter surtout. Et le Wonderwing qui est extrêmement bien placé là, qui ride le manque de manette tout simplement de Zelda. Donc attention, ah dommage, le grab qui ne passe pas, c'est quand même un peu bizarre ça hein. C'était vraiment étrange tout simplement, mais bon c'est pas grave. À voir comment ça va se passer pour Tarkin qui, attention, enfin il dit out histoire de ne pas se faire combo. Simplement là ça shield évidemment. Attention, ça duel de shield évidemment, bah, pour sortir d'un shield, un petit grab et là c'est terminé, hein, c'est trop combo. Le EPR là, qui vient terminer. La très bonne gestion hein, de l'offensive d'Osmax hein, de la part de Tarkin qui a réussi. Attention quand même, la Wonderwing qui se fait punir directement évidemment. Et là presque un stock de perdu très très rapidement, hein, ça a failli très mal se passer pour Osmax qui s'est fait combo. Osmax, il faut vraiment qu'il revienne avant de mourir. Très compliqué là. Donc voilà Tarkin qui delay un peu en off stage hein, pour là, donc voilà, c'est pas fait avoir comme une deuxième fois par rapport au Wonderwing, mais attention le backthrow qui ne tue pas hein, qui a été bien DI de la part de Tarkin. À voir comment ça va se passer. Attention le grab, évidemment là ça, ouais, là ça trouve combo quand même hein. Le Burry à ce pourcentage là, c'est très compliqué d'en sortir et donc forcément ça a tué. Attention là, ouais, ça vient, ça évite de justesse le side B. Attention à voir, là ça tente le grab, hein. ça essaie de raid la roll deux fois, ça n'a pas marché. Et il se fait éjecter par, je n'ai pas bien vu ce que c'était, donc il s'est fait éjecter en tout cas. Attention quand même, un dernier stock, hein, un stock d'avance complet de la part de Tarkin, très compliqué. Là faut vraiment qu'Osmax puisse se démener, hein. C'est dommage parce que Osmax qui avait un très, très bon, une très très bonne avance hein, sur le début de la game 1. Là il se fait vraiment un petit peu avoir, et vraiment un momentum assez négatif, hein, c'est dommage. À voir s'il arrivera quand même à retourner hein, la balance et faire en sorte que tout ça se passe bien. Donc on a pu voir un Tarkin qui a récupéré la grenade sans faire exprès et qui se l'est prise dans la tronche. Hein. Attention, le forward smash qui vient. Peut-être ici la bombe qui vient. Bon, forcément, Tarkin qui revient sans trop de difficultés, pas trop de défense. Hein, il est à l'autre bout. Osmax qui vient, hein, qui arrive quand même à faire un petit mur de projectiles pour éviter que Tarkin ne s'approche trop. Attention, le backthrow qui vient ramener derrière. Le Wonderwing qui conteste avec le chevalier. Attention, le deuxième qui est venu pour essayer de throw off. Et malheureusement, la petite air dodge qui a été complètement whiff et qui, du coup, l'amène tout droit au suicide. Tarkin, donc, l'emporte 2-0 dans ce premier match de ce premier round. À voir comment ça va se passer pour la suite du tournoi du côté de Tarkin. Hein, donc, il commence très bien son tournoi là où Osmax, malheureusement, hein, directement continue en loser bracket. Mais bon, on va voir jusqu'où il pourra aller. En restant dans le loser, on lui souhaite le meilleur. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de solo cast. Je suis bien content. A voir, est-ce que j'aurais peut-être quelqu'un pour venir me rejoindre en cast, histoire que pendant ce temps-là, Bravir qui est en train de jouer, je suis un peu seul. A voir, qu'est-ce qui serait apte. Une petite place au cast si quelqu'un voudrait me rejoindre.